Salut à tous ses amis, bienvenue sur le live. On se retrouve pour un nouveau live du coup, un nouveau défi sur Clash Royale. Cette fois le défi avec les troupes qui se soignent. Donc voilà, j'ai pas encore commencé le défi. On va essayer de le faire entièrement aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je pense que c'est un nouveau défi sans défaite possible. Dans le sens où on n'a pas de défaite limitée. Donc voilà, ça va être tranquille. Et puis en fonction du temps que ça prendra, on verra si on fait d'autres combats, d'autres trucs. Mais voilà, en tout cas, on va partir pour ça là-dessus pour commencer. Donc c'est parti, je vais mettre le jeu. Et on va y aller. Salut Elisa. Voilà, donc j'ai mis le jeu. J'espère que ça va être good. Vous voyez pas le jeu là? Comment ça se fait qu'on voit pas le jeu? Pourtant ça fonctionne. Ça fonctionnait juste avant que je lance le live. Je comprends pas pourquoi ça va pas. On voit que la fenêtre s'affiche, mais elle reste pas. Je sais pas pourquoi. J'essaie de régler ça vite fait. Pas pourquoi ça fonctionne pas. Ah non mais je vois, j'ai le truc devant moi, je vois très bien ce que tu dis mais... Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est pas censé faire ça. Fait comme ça fonctionne toujours pas. Ok.
Alors, on va y arriver, on va y arriver, mais... On va tenter autre chose. Je vais relancer BlueStack et Clash Royale. Et on va voir si ça fonctionne. Je suis un peu deg parce que ça fonctionnait bien il y a 5 minutes juste avant le live et là ça fonctionne plus. Donc voilà. Mais... C'est comme ça. Le jeu s'affiche pas, je comprends pas pourquoi. Si je fais... Et si je fais comme ça? Ça fonctionne toujours pas. Bon, ah, si, non, bah de nouveau ça pop, mais ça s'est retiré, je comprends pas. Ah, là ça se met. Je fais des ajustements en live du coup, mais c'était pas prévu. Là, ouais, j'ai mon live sur mon tel pour voir, mais là, ça a l'air d'être bon. Là, ça a l'air d'être bon. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que là, vous voyez bien le live? Si je switch les pages et tout, il n'y a pas de problème. Ok, ça a l'air de plus bugger, c'est nickel. Ok, ça a l'air de plus bugger, c'est parfait. Bon, je vais débloquer le coffre. Ça a l'air d'être good là.
Ok, là c'est bon, nickel. C'est parfait, c'est bon. On va commencer par ouvrir les coffres du coup des pièces. Deux jokers rares, ça c'est cool. 19 boules de neige, ça j'ajoute pas. Or, joker commun. Là, on entend le son du. J'ai pas l'impression. Bon. On entend le son du jeu ou pas? Bon, du coup, je fais tous les petits tests et tout là parce que je dois tout régler, mais a priori, ça a l'air d'aller. On va voir. Là, tout est bon. A priori, je pense qu'on entend le son quand même. Bon, ça a l'air d'aller. Messagerie. Ok, on va ouvrir le coffre. 600 pièces d'or. 5 jokers communs. 27 mortiers. 5 séismes. 5 pierres tombales. On va ouvrir ensuite les récompenses. Ici, j'en ai quelques-unes quand même. Dont celle-là, quand même, sympathique. Hop, on va ouvrir le premier coffre. 1291 pièces. 4 gemmes. Deux jokers rares, 6 gobelins cerbacanes, 6 tours à bombe et 71 canons. Bon, 10 jokers communs, rares, ça c'est cool, des pièces, des gemmes, encore des jokers rares, 16, enfin 2, mais du coup ça fait 16, des archers, mais je suis déjà full, 58 barbares et 12 tours à bombe. Ok, on descend. Des pièces, des gemmes, 14 jokers, ça c'est cool, 18 artificières, 52 électro-esprits et un bébé drac que je joue, donc ça vrai, ça fait vraiment plaisir. Salut Enzo, bienvenue sur le live. Installe-toi tranquillement, profite. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Bibalouche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live.
Nickel. Tout est bien remis, je pense. Ça a l'air pas mal. Merci pour le follow, Bibalouche. Bienvenue sur la chaîne. Ça va très bien, Etoanzo. Comment tu vas? Les 200 or, des gemmes, des jokers communs, des mortiers, artificiaires et golems d'élixir. Ok, c'est cool. Là, le petit coffre, là, sympathique. Ça fait plaisir. 9500 pièces d'or, juste ça déjà, ça régale. 200 jokers communs. 55 jokers rares. 15 épiques. Nickel, j'ai fait mon petit rush, ça allait, cool. Et attention, un joker légendaire, ok. Ça fait plaisir. Je vais aller, donc voilà mon deck déjà. Je vais aller là, je vais claquer quelques cartes. Bon, déjà pour mon zap. C'est déjà ça. Là, je vais claquer sur ma boule de feu. Épique, 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 épique. Pour l'instant, épique, je vais garder. Légendaire aussi, je verrai plus tard. Et donc, on va partir directement sur le petit défi. Est-ce que vous l'avez fait ce défi, les gars? Et là, je suis à plus qu'à 6K. Ah, rip, mais tu vas remonter, Bibalouche, 100%, tu vas remonter. Pour faire des games, il y a des jours comme ça où tu descends, des moments où tu descends, mais tu as remonté. Bon, je tente avec mon deck classique, on verra bien après si on change. D'ailleurs, si vous avez. Si... Prends un deck cancer pour ce défi. En vrai, si vous voulez proposer des decks, que ce soit en mode défi compliqué ou justement que ce soit des bons decks, les gars, n'hésitez pas. Ça peut être cool. Ça peut être très cool. Ça fait bizarre, j'ai jamais joué sur PC à Clash Royale. Ça me perturbe vraiment. Effectivement, ça joue bien cancer. Effectivement, ça joue bien cancer. Allez. Ok, faut spam en fait sur ce mode. Je savais pas que c'était un mode spam. Allez, bah go spam du coup. Spam ça normalement je sais faire. Ok, nickel, on va prendre la tour. Bon, on va prendre les trois couronnes direct même. Allez, la victoire, 3 couronnes direct, 3-0. Nick Fantôme une fois. Bah en vrai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Si tu me dis les cartes, si vous avez des decks à proposer, n'hésitez pas. Hein. Ah bah non, du coup, je vais pas évaluer maintenant. C'est gentil, mais. Hop, 1000 pièces récupérées, ça fait plaisir. Ah, et la maîtrise du bébé drag en plus. On va aller récupérer ça directement. Bébé drag niveau 3, du coup. Ah non, niveau 4 déjà. Niveau 4, le bébé drag. Ça commence à monter, hein. mille 723 trophées, ah ouais. 960, bah 960 c'est pas nul hein. Ça fait toujours plaisir d'être dans le top FR. 935 ce matin. Ah ouais, mais bon, si tu refais des games, il y a moyen que tu remontes sûrement. Il y a sûrement moyen que tu remontes. En vrai, je vais garder là pour passer niveau 13. Ce deck j'aime bien parce qu'avec la bombe du géant squelette ça peut être pas mal. Je pourrais même placer un clonage pour full nettoyer avec la bombe. Mais je vais tester, je vais continuer comme ça pour l'instant. Maîtrise 4 GG, ouais, merci Lisa. Merci, merci. Ouf.
La mamie qui est tombée, ça fait plaisir. Oh, ça tape le sorcier avec là, vraiment. Ouf, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. J'enchaîne avec ça, mais là. Ah ouais, là ça s'annonce compliqué là. De toute façon cette saison je rush 7K. Bah allez, go rush 7K. En vrai si t'y arrives 7K c'est chaud. On joue exactement le même. Tu joues le même deck que moi, le même deck avec Bila. Attends. Que Bila. Je vais y arriver, Kubi Balouche. Tu joues le même deck que qui? En vrai, moi je rush, je sais pas, je joue plus des masses en vrai à Clash Royale. Hors live, j'y joue un petit peu, mais avec ma copine ou quoi surtout, mais sinon je joue beaucoup. Moi j'aimerais bien être level 14, ouais. Je suis passé niveau 13 il y a pas longtemps, perso, mais. La boule de feu elle carry un peu. Ah merde, je voulais mettre le je voulais mettre le géant squelette. Rip. En vrai je vais mettre un géant squelette là bas pour l'obliger à bouger. Ok, ça je l'oblige à défendre là bas aussi. Voilà, je vais perdre la toux. Aïe aïe aïe, fou dur. Ouais, level 12, moi je suis level 13, mais en vrai. Là, sans jouer des masses, je suis à 5300, je crois. Mais je pense que je pourrais monter bien plus haut, c'est parce que je joue pas beaucoup en solo. Bon, rip. En vrai, ça va, j'ai réussi à tenir quand même. J'ai perdu la tour là sur le dragon de l'enfer, mais ouais, c'est dommage. Est-ce que vous m'entendez bien ou le son du jeu va trop fort? Ou pas assez fort au choix, dites-moi. Je peux régler le son évidemment, donc dites-moi, n'hésitez pas. Merci Enzo GT pour le follow, ça fait plaisir. Non, c'est parfait, ok, nickel. Nickel, nickel. Bonne chance toujours. Ok, on va lâcher. Jean-Michel dessus. Ouf. Ouf. Ça fait bizarre de jouer PC à la souris, j'ai pas l'habitude. Ok, on prend la tour, mais on la perd aussi. On la perd même pas en fait. Et comme elle va soigner en plus, il y a moyen qu'on la perde pas. Eux ils perdent les deux tours. Enfin, lui perd les deux tours 100%. Donc ça met bien. Je parle pas beaucoup mais c'est beaucoup de full spam là du coup. Bon je vais y aller, bonne soirée à vous. Ah ok, salut Enzo. Merci du follow, merci d'être passé en tout cas. Et si tu veux revenir plus tard c'est avec plaisir. Bonne soirée.
Allez, le 3 couronnes. Le 3 couronnes qui passe, ça fait plaisir. Bon, en vrai, 3 combats, une défaite, une couronne, 2 victoires, 3 couronnes. Je pense que pour l'instant, on est rentable. Mousquetaire, on va essayer d'aller gratter encore là-bas. Et là, avec les tours healées, on continue là, c'est chaud. T'as pas le temps de faire les dégâts, que ça repart déjà. Ok, hop, je continue à essayer de gratter. On va tenter d'amener un bus par là. À chaque fois du coup la santé sur ces tours là, mais c'est du full spam hein. Ça dirait un V1 ouais si tu veux, vas-y. Faut juste que tu m'ajoutes en vrai par comme tu veux, je sais pas comment tu veux m'ajouter, bah, peu importe pour moi en vrai. Ok, une tour qui est prise. Et la deuxième tour qui va être prise, c'est nickel. Allez. Et c'est la victoire. 2-0. La petite victoire. Parfaite. Et en vrai, j'aurais fait le 3 coucou. Je t'ajoute comment? Ben en vrai, comme tu veux. Soit j'ai Discord. Tu peux m'ajouter sur Discord. Ou en vrai, Discord, c'est peut-être le plus simple. Mais si t'as pas Discord, ça peut être Insta, ce que tu veux en vrai. Tu peux m'envoyer sur Discord si tu veux, je te mets mon Discord là, dis-moi si ça t'arrange, mais ouais, GG, ah, merci. Ça, c'est mon nom Discord. Voilà, ça c'est mon nom Discord. Sinon, mon Discord, c'est ça.
Et mon serveur Discord, je sais pas si c'est passé, je sais pas si je me suis fait hack ou je sais pas, mais malheureusement tout le monde a été viré du Discord, donc je me retrouve tout seul. Alors qu'on était genre 100 personnes sur Discord, du coup j'ai un peu le seum. Voilà, je vais essayer de remonter un peu le Discord, mais du coup voilà. Malheureusement, du coup, il n'y a plus personne. C'est toi, FGTKEKZD. Ok. Bah, en fait, tu peux m'envoyer une invite et. Envoie-moi une invite tranquille et on peut faire le 1v1. Je vais lancer Clash Royale sur mon téléphone. Je vais t'ajouter via mon téléphone parce que sur le PC ça va pas. T'ajoute tout de suite. C'est bon, j'ai reçu la demande. Mais hop, je dois juste ajouter sur le téléphone, donc ça, voilà, ça le met connexion perdue. Et puis je me reconnecte sur le PC et c'est bon. On peut jouer. Ok. C'est toi, je sais pas, t'as un nom bizarre, imprononçable. Je vais me reconnecter. C'est bon, jeté, ok. Je me connecte, voilà, nickel. Allez, c'est parti, combat en contre un. Bonne chance. Ça séparait un peu les squelettes, c'est parfait. En vrai, ça, j'ai pas pris trop de retard. Ça, pour l'instant, ça se passe. Oh non, le seum, bien joué. Bien joué le push. Mais pas assez de dégâts.
Ah, t'as pas encore sorti la TDE. Ah ouais, ça pique. Ah là, la TDE, ça pique. Ah, j'étais pas prêt à cette TDE, bien joué. Ah, il y a de la bûche, ouais. Bon, bah bien joué, hein. Bien joué, bien joué. Bien joué, t'as un deck horrible. Contre le mien, là, t'as un super. En vrai, t'as un superbe deck. Très chiant. Ouais, et puis, ouais. Je vais tester le deck. Hop, il y avait ça, il y avait la bûche. Ah, le fût y était. Fût. Qu'est-ce qu'il y avait? Hop, Valkyrie. Ouais, t'avais tout pour me contrer, clairement. C'était compliqué, mais bien joué, franchement. Franchement, bien joué. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Me rappeler les cartes de ton deck. Je me rappelle. Ah si, la Tesla déjà. La Tesla, la TDE plutôt. Je la vois pas, la TDE. Ah, mais il n'y a aucun bâtiment dans ce mode, ok. Peut-être pour ça que je la vois pas. Je vais faire autrement. Je vais remettre mon deck. Je vais remettre mon deck et je vais tester un combat 1 contre 1 avec ton deck. Hop, attends, je vais tester un combat 1 contre 1. Tester ton deck. C'est parti. Dans ce mode de jeu, ouais, c'est vrai, dans le mode full spam, c'est injouable. Oh merde, mais je suis con. Ben, je suis autiste. J'ai lancé mais sans changer le deck. Bah, je teste juste après. Et après je testerai Elisa, je testerai ton deck fantôme. Oh, il défend puis à gobelin, j'ai jamais vu ça. Défense au fût à gobelin. J'ai du mal à m'en remettre. Qui fait ça? C'est chiant en vrai de défendre au fût à gobelin. Faut vraiment. Je sais pas, ça ne viendrait pas l'idée. Oh, j'ai un squelette niveau 14. Ça a piqué. Oh, avec l'artificiaire en plus. Ok, avec la bombe, ça va faire le taf. C'est parfait. C'est parfait. Je vais en profiter pour réattaquer. Oh yes, la tour qui est activée. Et il full défend son fût à gobelin en fait. Hein. Il full défend fût à gobelin. Je comprends pas comment il joue, mais ouais, je sais pas. Je vais pas chercher à comprendre en vrai.
remettre son. D'office, il va remettre son géant squelette. Ah ouais, c'est vrai qu'il a ses barbares aussi, putain. C'est passé nickel. Ok, j'ai tourné la tête 2 secondes, il a enchaîné. Il faut que je gère. Je peux pas perdre là-dessus. Ok, c'est bon, ça passe. La victoire. Et du coup, je vais tester ton deck là. J'ai pas pu tester ton deck, j'avais raté. Je vais tester. Est-ce que j'utilise une clé ou 45 G? Ouais, je vais laisser comme ça. Du coup, je voulais copier. Copier ça, mais et quand je vais là, ah, ça y est, je peux le coller. Bon, ça je vais l'améliorer parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, les cartes sont pas assez au niveau pour que ça fasse mal en fait, je pense, mais. Bah oui, mais l'autre fois j'avais pas mis le son parce que c'était sur mon téléphone donc on n'entendait pas. Mais là, comme j'ai mis le jeu sur le PC, on entend le son du PC. Donc c'est bon. Donc effectivement, on entend les bruitages. C'est plutôt cool. Voilà, du coup, je teste ton deck. Et après, je teste ton deck. Ton deck fantôme, Elisa. Alors, hop, c'est parti. Combat 1v1, on teste le deck. Je vais tenter un petit combo. Valkyrie, ok, nice, la Valkyrie là en cachette de choc. Ok, nickel. En vrai, ça gratte un petit peu. Je vais mettre ma princesse derrière, tranquille. Bon, même si avec la Valkyrie, ça faisait le taf, mais ouais. Je joue rarement la Valkyrie. Ouf, là, j'ai pas ma TDE, ça va être compliqué. Aïe, là, j'ai pas la TDE, ça va être très compliqué. Ah, elle met trop de temps à pop. Bon, il est revenu à égalité avec ça, mais je l'avais pas vu venir le méga là-dessus là. C'est génial, ouais, en vrai, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh non. Ok. Tac, tac, tac. Ça va gratter. Ça gratte un peu la tour, non. Cela, je vais garder assez d'exir pour lâcher la TDE parce que 100% il va lâcher son méga. Voilà, c'était sûr. Il a le truc avec son méga là, il a tout pour me contrer, mais c'est pas passé. Ok. Son canon il est mort. Il utilise là, mais du coup il l'aura plus pour défendre mon fût à gobelin. Et du coup ça va faire mal là, mon fût.
Ok, on prend presque la tour là-dessus. Vraie petite bûche. Ok, je vais jouer armée de squelettes derrière. On est bien. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Ton deck est super fort. Ton deck est super fort, je kiffe le jouer. J'ai jamais changé de deck depuis genre l'arène 6, 7 ou 8, je sais pas, un truc comme ça, mais j'ai pas changé de deck depuis super longtemps. Et là, ton deck, genre, j'ai presque envie de le jouer tout le temps, genre, il est super cool. Il coûte pas cher, il est vraiment cool à jouer. J'aime vraiment bien. Ouais, non, il est vraiment pas compliqué. La première game, d'habitude, tu m'as du temps à te mettre avec le deck. Oh, le coffre Joker Royal. Oh, quel plaisir. Quel plaisir, le coffre Joker Royal. Un jour pour l'ouvrir. Ça, c'est très cool. Champion garanti au niveau 14 du roi. En vrai, faut que je le garde jusqu'au niveau 14. C'est super loin le niveau 14. J'y suis pas du tout. Je suis à 11 000 sur 80 000 là. Est-ce que tu me conseilles de le garder le coffre jusqu'à ce que j'ai le niveau 14 ou est-ce que tant pis, je l'ouvre et. Je savais même pas qu'on avait des decks en plus là. Je viens de découvrir. C'est un peu loin le niveau. Ouais, je sais, mais bon. Après, au moins, je suis sûr d'avoir un champion dès que je passe niveau 14, quoi. En vrai, je crois que pour l'instant, je vais le garder. Je verrai bien, mais. Celui-là, je vais le copier. Je vais aller dans le. Là, je vais le coller. Le 5 là, je vais le copier. Je vais le coller ici. Copier. Et je vais le mettre à la place de celui-là. Ah ouais, merde. La bûche est là. Je crois que c'est tout à part la bûche. Ah non, l'armée de squelettes, ah ouais. Bon, tant pis. En vrai, tant pis. Celui-là, je vais le. Qu'il est là. Le 6. Je vais le copier. Je vais le remettre là, du coup. Et là, du coup, au 6, je vais tester ton deck, Elisa. Ouais, je vais attendre de. Je vais attendre, je vais attendre. Pour le 6, donne-moi ton deck avec le fantôme là. Parce que je me rappelle plus, je sais qu'il y a le méga. Il y a le méga, il y a la boule de feu. Il y a le sorcier. Sorcier qui est ma seule carte niveau 14 d'ailleurs, ma carte max. Le fantôme du coup, vu que c'est un deck fantôme. Elisa, donne-moi les cartes, s'il te plaît, dans le chat. Si tu peux me donner toutes les cartes, de ton deck, si tu te rappelles. Ouh là, ça va faire mal les. Oh, bien joué la bûche. Ouf, le deck Zappy là, il est horrible. Ta live du coup tu vois son élixir ses trucs.
ses cartes. Oh là, ça fait trop de dégâts. Malgré qu'il ait défendu sorcier, ça fait beaucoup de dégâts, donc c'est très fort. Archer boule de feu, méga chevalier, ça j'ai mis. Enfin, pas les archers, mais ça je vais les mettre. Ok, archer, je dois mettre, c'est quoi les autres cartes? Forcément le fantôme. Armée de squelettes, fantôme, ok. Sorcier, il y a aussi. Oh, bien joué. La Valkyrie, bien joué. Jouer la défense à droite, il t'a pas joué. Et sorcier, je pense c'est tout. Là, et ça fait que 6 cartes. Là, tu m'as donné 6 cartes sur 8. Bien joué, la victoire de couronne. GG. Squelette, archer, où es-tu Ellie? Là, ici, mineur et dragon de l'enfer, c'est ça qu'on n'avait pas, mineur, dragon de l'enfer, mineur et dragon TDE. Ok, donc ça c'est ton deck, je vais tester en 1v1 aussi. C'est parti, et après je reprendrai le petit défi là. Mais j'aurais testé votre deck comme ça vite fait. Ça c'est cool. J'ai oublié donc le petit bonne chance de début. Soyons fair play. Même si on joue méga chevalier, soyons fair play. Faut le dire comme ça. Ok, là ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être compliqué. J'ai pas d'exir, j'aurais pas dû lâcher la boule de feu, mais les messages s'affichent 20 ans après, ça saoule. Ouais, je sais, il y a des décalages, mais non. Oh, il a touché tout juste. Good luck, merci. Merci, merci. Bon, pour l'instant, compliqué. Ouais, là, ça va être. Là, ça va être tendu aussi. J'ai pas compris la horde de gargouille alors que j'ai mis un sorcier, mais. C'est pas grave. Faut que le mineur prenne le. L'aggro, oui, parfait. Oh. Allez, non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Aïe, aïe, aïe. Il est bien cancer, ouais, ouais, il est bien cancer ce deck, mais il est compliqué à jouer en vrai. Mais ouais, c'est clair qu'il est bien cancer.
faut que j'y aille, hein. Faut que j'attende de façon. J'aurais dû mettre le mineur plus tôt pour qu'il prenne l'aggro, j'ai super mal joué. Allez, ton deck est compliqué. Pas ce deck, celui de l'adversaire. Ouais, bah oui, méga chevalier, barbare d'élite. Ah ouais, non, ouais, il était bien bien cancer. Mais même celui-là, c'est pas le plus cancer, mais quand même, déjà, dragon T2, fantôme, barbare d'élite. Barbare d'élite, méga chevalier, c'est chiant. Mais... Ouais, son deck à lui, il est horrible. Il est vraiment horrible son deck à lui. Bon, je vais continuer. J'ai le deck. Je vais continuer, je vais essayer de finir le. Je vais essayer de finir le défi là. Ce serait cool que j'y arrive. Encore le gel. Allez, why not, hein. Ah le bâtard. Oh oui, heureusement qu'il y avait ça. Oh parfait. S'il n'y avait pas son artificiaire, c'était la merde. Oh yes, il a raté le géant squelette, ah bah là. Là, il joue tornade. Il joue un deck très chiant. Il joue un deck très chiant, mais... Je pars déjà là-bas, je sais que j'ai pris la tour. En vrai... Oh, les archers, ok, il y a un archer qui survit. Bon, j'ai pas mal gratté. Ok. Je vais même lâcher la boule de feu là. Prenons pas de risque. Ma boule de feu, je l'ai pas bien lâché là, mais... Ça passe. Putain, ils sont heal. J'avais oublié qu'ils étaient heal. J'étais là, mais comment ils tombent pas? Faut s'habituer, mais j'adore quand même. En vrai, je pense qu'il peut être fort ton deck, mais ouais, compliqué à jouer. Putain, je prends trop cher là. Je prends trop cher à gauche, beaucoup trop cher. Les cochons, c'est horrible. Surtout qu'il a tout pour contrer mon armée de squelettes. D'accord, j'ai mis dans l'angle pour qu'il aille là-bas, mais non, il préfère la grosse tour, allez. Ces artificières sont très chiantes aussi. Hein. Vraiment. Hop, ça dégage, artificière. La victoire qui va passer. La victoire qui passe. Il faut que j'y aille. Bonne soirée, à plus.
Allez, bonne soirée. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois passé. N'hésite pas à revenir. Merci pour le follow. Et à bientôt, du coup. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, Bibalouche. Elisa qui passe level 15. Bien joué pour le bronze 2, le rang bronze 2 qui atteint. Bien joué. Bien joué, bien joué. Est-ce que ça bug le live ou pas du tout? Voilà, trop de fierté, c'est dingue. Ouais. Est-ce que le live bug ou pas du tout? Non, non, je pense pas. Ok. Non, ça a pas l'air de bugger en vrai. Le jeu a l'air fluide. Tu non, je pense pas. Mais regarde, quand je jouais tout ça, il n'y avait pas de problème de fluidité ou quoi sur le live. Avec Let's View, ça buguait pas mal. Mais là, non, là, ça a l'air vraiment clean. Ça a l'air de pas bugger du tout. 3 ans en retard comme ça. Ouais, mais les messages sont super lents à pop. Je vais essayer de régler ça, mais j'ai déjà regardé, j'ai pas trouvé la solution, faudrait que je regarde plus. Mais j'ai pas eu le temps vraiment. Mais je vais regarder ça pour que ce soit moins, qu'il y ait moins de décalage, parce que là c'est vraiment énorme. Et voilà, on va essayer de régler ça. Parce que là c'est vraiment beaucoup trop de décalage. Oh, Guider! Oh, Guider! Le petit Guider! Non, non, pas du tout, t'inquiète. Non, mais c'est bien, là, ça buguait de ouf quand je mettais Let's View. Là, maintenant que c'est sur le PC, ça bug pas du tout. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que ça, c'était le truc le plus chiant, c'est les bugs. Les bugs, vraiment, ça fait partir les gens. Parce que tu peux. Les bugs, c'est vraiment, c'est le pire truc. Du coup, s'il n'y a pas de bug, vraiment, ça change la vie, quoi. Au niveau des streams, c'est vraiment un plaisir qu'il n'y ait pas de bug. Parce que ça détruit complètement un stream s'il y a des bugs sur le jeu. Même si ma voix buguait pas et tout, les bugs sur le jeu, ça détruit le stream forcément. Les gens, ils viennent pour te voir, mais ils viennent aussi, surtout pour voir le jeu. Au début, en tout cas, après, quand t'as des abonnés qui viennent régulièrement et tout, ils viennent pas spécialement pour le jeu, mais ouais, quand c'est le début et tout, forcément, tes abonnés viennent pour le jeu auquel tu joues, tu vois. D'ailleurs, ils se joignent au début, ils sont même pas abonnés, mais. Oh, j'espérais que la bombe touche parce que là ça m'aurait fait du bien qu'elle touche. Yes, la bombe qui touche, ça fait plaisir. Ça, la bombe qui touche, c'est un vrai plaisir. Là, je vais prendre cher. Aïe, coup dur là. Allez, la victoire.
Là par contre c'est en décalage juste après que je t'ai dit que ça allait. En vrai si tu quittes le live et que tu reviens dessus, peut-être que ça va, qu'il y aura plus le décalage. Essaye de voir si ça fonctionne. Ouais mais bon c'est un petit freeze de temps en temps, c'est pas très grave, genre là c'était vraiment buggy en continu. En vrai j'ai fait toutes les 1000 pièces, là il me reste plus que des 500 et le 3000 à la fin forcément, donc ça c'est cool. On va essayer de le finir, d'aller chercher le 3000 quand même. Hein. Bon, ça fait une heure, ça fait ouais une heure que je stream. C'est cool, une heure. Ok, le sort de rage sur cette tour, j'ai pas compris, mais why not. Hein. Et les flèches là-bas alors que j'ai envoyé le fuit à gobelin. Ok, mais là le zap aussi. Ça me tue le dragon de l'enfer qui essaye de suivre mon géant squelette et qui arrive pas. Ça me tue de rire. Là, les deux géants squelettes. Ah là, ça a piqué là. Ok, nickel. La bombe qui touche la tour et qui explose tout là. C'est nickel. Faut pas que je laisse la tour. Ça c'est chiant, c'est que tu dois push en continu. Tu peux pas prendre le temps de défendre ou quoi, parce que sinon ça tourne en direct. C'est super chaud de gérer ça. Mais... Ça va. Voilà, ça va être pris la tour. Là la tour va être prise, c'est nickel. Ok, ouais, c'est bon. Ok, le 3 couronnes qui va aller être cherché. On a géré. Il m'a laissé la victoire. Attends, j'ai envie de tester ça. Avec quoi je peux le faire? Attends, j'ai envie de... La pieuvre comme ça, j'avoue que c'est sympa la pieuvre comme ça. L'emoji coupé. C'est très drôle. Bon. Là, du coup. Allez, plus 4 victoires. Voilà, quand j'ai réussi à mettre les deux géants squelettes à la suite. En même temps, j'ai fait ouf là. Là, ça va être difficile de sortir de ça là. Là, je me suis dit, il va galérer. Ok, la tour est prise déjà. On a une attaque. Là ça a freeze. Là c'est compliqué là. Là heureusement qu'il y a la bombe qui nettoie à chaque fois parce que vraiment c'est compliqué. C'est très très compliqué là. Et on continue, on couche. Là, à droite, ça va être compliqué.
Ouf, là je me fais déborder, là je suis en train de... Là je suis en train... Ah ouais, là je suis en train de prendre super cher, là c'est trop dur. Ah j'étais bien dans la game là et d'un coup j'ai pris super cher. Ouais, mais il a que des gros tanks, du coup là ça en x3, ça, y a tout qui passe. Et son bullis plus le bourreau là ça fait trop de dégâts, c'est insupportable. C'était super dur là. Là c'était complexe comme partie. Je pensais l'avoir en main. Et mais sur la fin là avec tous les gros tanks c'est compliqué. J'ai pris la tour, faut pas que je perde la mienne par contre. Ok, ça j'ai réussi à pas la perdre pour l'instant. Ok, j'ai réussi à ramener la balle et tout, nickel. Complexe, 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 mais ça va le faire. Ok, ça le fait. Ok, ça le fait bien même. Très très bien. Ok, on continue. Ok, bien joué, le sorcier là, c'est nickel. La tour, c'est nickel. Et c'est la victoire, trois couronnes. Avec tous les squelettes là. Oh, c'est énorme, tous les squelettes qui sont là. Level up pour Elisa, elle est bronze 2 toujours, mais qui était toujours première en étant level 16. Bien joué. Mais c'est pas possible, je vais finir niveau 20 si ça continue. Oh là là, bien joué. Bah ouais, plus tu parles, à chaque fois que tu vas un message, ça te fait de l'XP. Donc ouais, clairement. Il y a moyen, il y a moyen. Là, je vais finir le défi. Et puis après, je verrai quand j'arrête, mais... À mon avis, je tarderai pas trop à arrêter. Parce que je suis pas mal fatigué aujourd'hui. Donc voilà, je tarderai pas trop à arrêter, je pense. Mais bon, voilà. On aura fait un petit live sympathique quand même. Il aura duré un peu de temps quand même. 1 heure, on aura fait le défi. Hein. J'aurais testé les decks là. Oh, on aura fait quelques trucs sympathiques sur le live. Hein. Clairement. Plutôt fun. Plutôt assez cool. C'est compliqué, ça avance pas et comme les tours se régènent en plus, ça fait vraiment rien. Ok, là ça va être compliqué. Ah ouais, il a un peu l'avantage là. Clairement, il a un peu l'avantage. Avec son méga chevalier, ça nettoie tout à chaque fois son méga chevalier aussi. Ah, j'ai pas eu la mousquetaire là vraiment. Ah, j'ai le seum. En vrai, j'ai vraiment le seum là de pas avoir eu la mousquetaire. Oh là, j'ai fait une erreur là.
Full ça. Passe. Non. Ok. Ah non, putain, là j'ai fait une deuxième erreur. Ok, ça va. C'est rattrapé, mais oh non, je vais prendre cher, putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le craquage. Le craquage, le craquage. C'est un nouveau monde que je découvre. De quoi c'est un nouveau monde que je découvre. Dis-moi tout. Je sais pas si c'est des émotes, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais testé, donc je sais pas si c'est juste des objets comme ça dans ta collection ou si ça te fait des émotes ou si. Et il me semble que c'est juste des objets que t'as dans ta collection comme ça en fait. Mais je suis pas sûr. À vérifier. Ouais, il me laisse même pas prendre une tour. Il abuse. Bon. Bon. Là c'était compliqué. Ah compliqué là. Le méga chevalier en vrai ça met une grosse pression quand même. C'est compliqué. Et j'ai mal géré plusieurs fois, je me suis laissé emporter d'un côté, j'ai pas regardé l'autre. Les trucs des lives là. Ouais ouais bah je comprends. Si t'es pas dedans. Même moi là, quand j'ai commencé à faire les lives vraiment là en faisant l'overlay bien et tout, il y a plein de trucs que je connaissais pas et je découvrais que j'étais en mode mais quoi ça existe ça depuis quand c'est. Quelles sont ces choses? Clairement. J'ai découvert plein de trucs aussi il n'y a pas longtemps hein, donc c'est normal que tu sois un peu perdu avec tout. Oh putain. Putain son deck il est insupportable lui aussi. Il a vraiment un deck insupportable. Mais genre vraiment insupportable. Ah ouais il manquait plus que la roquette évidemment. Pour finir en beauté. Aussi évidemment sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas de barbare d'élite c'est pas drôle avec la roquette en plus qui est lâchée. Ouais pour l'instant je maintiens l'avantage avec les boules de feu clairement mais je maintiens l'avantage quand même. Pas grave, je quand même j'ai raté. De quoi t'as raté? C'est stylé les ailes comme ça, là j'aime bien. J'avais jamais vu. C'est super dur, tu peux pas vraiment prendre d'avantage dans ce mode parce qu'à chaque fois ça remonte du coup t'as l'impression de farmer dans le vide en fait là. C'est très relou comme mode du coup pour ça. À ce niveau là c'est très relou. T'as vraiment l'impression de farmer dans le vide, c'est un peu agaçant. Voilà, là ça fait chier, j'ai perdu. En vrai il a le deck, il a vraiment un deck horrible quoi. Ça me déprime de voir ce deck. Je vais pas lui laisser ma grosse tour. Je vais clairement pas lui laisser la grosse tour. Ah, je viens. Oh, il n'y a plus de live là.
Ça va être tout noir, j'espère. Non, j'ai pas la ref, sorry. Sorry, j'ai pas la ref. Putain, pourquoi ça rebug? Non, ça recommence à faire comme tout à l'heure. Sinon, juge-moi, juge-moi. Outré, j'abandonne. Aïe, coup dur. Mais elle s'enlève direct, je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi elle pop, mais elle s'enlève direct là. Il y a aucune raison que ça fasse ça. C'est insupportable. Ça me donne chaud. Le problème est un rêve. Je sais pas pourquoi ça refait ça, mais c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Je respire, je respire. Je respire. Je respire, je respire, je relance BlueStack. On va tester. Et si ça fonctionne pas, j'arrêterai le live. Là-dessus, pas le choix. Ça m'énerve pour une fois que c'est pas le jeu qui bug. C'est le logiciel qui bug. Tout est fait pour m'embêter, j'ai l'impression.
Pourquoi ça met un écran noir là? Je comprends pas pourquoi ça met un écran noir. En fait, je l'adore. Ça y est, t'es fan de la pieuvre. C'était bloqué tout seul d'un coup sans aucune raison. Je vais même pas essayer de savoir pourquoi ça, mais voilà, ça s'est débloqué d'un coup. Je comprends pas, mais ok, c'est nickel. Ça a l'air, en tout cas, je vais vérifier, mais ça a l'air d'être bien. Ok, ça refonctionne. Bon, du coup, j'ai débloqué dans le dernier combat là, j'ai débloqué le niveau 4 de l'armée de squelettes en maîtrise. Ça me fait 6000 pièces d'or. Et le niveau 4 pour la boule de feu aussi. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir, ça régale. Ah, cool, ouais, je suis content. Mais pourtant j'ai rien changé, j'ai refait pareil que tout à l'heure, juste je l'ai refait plusieurs fois et je sais pas, d'un coup ça a été. Je sais pas, j'ai même pas envie de chercher à savoir pourquoi. Bon, on va essayer de faire les trois derniers combats en espérant que ça bug pas. Et en espérant les gagner, là, faire trois combats, trois victoires, au moins hop, c'est réglé. Quitte à faire un autre mode, mais ce mode j'aime moyen ce tournoi en vrai. Je trouve que c'est un peu. En fait, tu dois pas réfléchir, juste tu full spam tes cartes et ça passe quoi. Je sais pas, j'aime pas trop l'idée de devoir juste full spam et ça passe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ça incite beaucoup trop les decks cancer en plus, style méga chevalier et barbare d'élite et tout. Et tout. Et tout et tout. GG, les maîtrises, c'est devenu un nouvel objectif pour moi, ça motive. Ouais, en vrai, les maîtrises, ça motive, puisque même quand tu perds ton combat et tout, tu joues jusqu'au bout en disant, allez, tant pis, je fais mes maîtrises, voilà. Ça avance un peu. C'est ta seule motivation un peu. Je suis d'accord, ça motive un peu, c'est pas mal. La bombe qui a touché, ça c'est parfait. Okay, les sorciers, ça dégage. Ok, là c'est compliqué. Aïe, aïe. Perdu, on va repartir sur une lutte compliquée. On va repartir sur une lutte très compliquée, même.
Ok, allons-y, let's go. Oui, allez, yes, ça passe. Ok, la boule de feu là qui va prendre les trois. Oh dommage, pas l'électro. J'espère que l'électro soit pris avec. Allez. Non. Non, c'est honteux. J'ai perdu là-dessus, c'est honteux. Mais c'est honteux. Mais jamais je dois perdre là-dessus. Il aurait dû juste sauter sur mon méga là. Je préfère le défi sorcière. Ouais, le défi sorcière est incroyable. Là, il est chiant ce défi. En vrai, il est beaucoup trop chiant. Tu dois juste full spam. Attends, je te réentends plus souvent. On parle de la sorcière après. Ok. Ah, vraiment, ce défi me saoule un peu. Je le fais jusqu'au bout parce que voilà, j'ai dit que je le faisais, mais. Ouais, ce sera pas mon défi préféré, clairement. Loin de l'être d'ailleurs. Et encore moins avec des mecs qui jouent PK. Toutes les cartes en fait, toutes les cartes sont horribles dans ce mode, j'ai l'impression. Oh ouais, mais non, là, au bout d'un moment. Le sorcier, pourquoi il se barre? Mais pourquoi il se barre le sorcier? Salut, je viens d'entrer. Salut, Daiken. Ça, c'était cool. J'espère que t'as profité. Et ouais, ça va, le live se passe bien, mais bon. Faudra qu'on voit pour faire un petit live à l'occasion, je sais pas quand du coup. Bon là, c'est clairement perdu la game là, mais. Mais en vrai, je crois que je vais arrêter parce qu'il n'y a pas d'émote en jeu, il n'y a pas de. Juste c'est de l'or, les récompenses, et en vrai je perds plus de temps qu'autre chose. Donc je pense que je vais arrêter, je reprendrai peut-être après, mais là je vais faire des. Super, en vrai je m'y attendais vraiment pas, c'était cool. Allez, bah nice, hein, c'était cool. C'est le principal. Mais fou ça tout voilà, c'est insupportable en vrai. C'est vraiment
vraiment ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression de farm dans le vide en fait. Tu lances un monde Minecraft, mais toutes les ressources que tu casses, tu les as pas. C'est plutôt pas mal. Oui, si tu veux, demain, il n'y a pas de souci. Il est chiant, lui. Bien joué, level 17, Elisa. Il est chiant, lui. Ouais, il est très, très chiant, les filles. Demain, pourquoi pas. Je sais pas à quelle heure tu voudrais en faire un. Dis-moi. Moi, plutôt fin d'après-midi, demain. Si on en fait un demain, ce serait fin d'après-midi. Je vais retester le deck que j'ai testé tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Tout à l'heure j'ai vraiment bien aimé, en tout cas sur la partie, on va voir là. Un peu en vrai, c'est pas mal. Ouf, le zappi là. Ouf, le zappi là, ça fait pas plaisir. Lâcher la bouche. Oh, méga chevalier. La réussir, je rentre de la salle. Et avant, c'est pas possible. Avant, dans la journée. Moi, si c'est possible avant dans la journée, ce serait cool en vrai. Parce que 18h, le temps qu'on se lance, après je vais manger, puis toi tu mangeras, et puis au final ça va être compliqué. Donc si on en fait un, je pense que ce sera plus avant en vrai. Ces crèmes. Ok, bah on verra demain. Demain si t'es dispo à un moment, tu me dis, on verra. Le petit squelette qui prend la tour pour la victoire. Magnifique. Scénario magnifique. Le scénario magnifique avec le petit squelette qui prend la tour à la fin. Oh quel kiff. Oh quel kiff. Ça marche, bon jeu de... Allez, bonne nuit mec. Et peut-être à demain, tu me tiens en courant. Oh, et 3 maîtrises en plus débloquées. 3 maîtrises de niveau 1. Parce que c'est des cartes que je joue jamais. Princesse, Valkyrie, c'est Goblin Serbacane, j'y joue très peu. Oh là là, très très cool ça. 3 maîtrises, la victoire. Avec le petit squelette qui met le coup à la fin. Très très cool, Stephen. Au niveau des maîtrises, là je commence à en avoir quelques-unes du coup. Bon, il manque toujours pas mal, mais. La plupart, ça, joue pas. Toutes ces cartes, c'est celles que je joue pas, en fait. C'est quoi, ça?
Oh, ça, c'est un mode qu'il y avait quand il y avait la sortie de Brawl Stars, ça. Le mode coffre-fort. En gros, c'est comme le coffre-fort sur Brawl Stars. Il y a un mode coffre-fort sur Brawl Stars, mais c'est le même principe, mais avec. Et sur Clash Royale, du coup, la tour, elle se défend pas toute seule. Donc, si tu défends pas, bah, tu perds tout simplement. Tu peux pas. La tour va pas détruire. Donc, si tu mets même deux squelettes et que l'autre défend pas, bah. Les deux squelettes peuvent prendre la tour, quoi. Ça peut être pas mal comme mode. C'est vraiment comme le mode sur Brawl Stars là. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que ça, le fuit à gobelins, du coup. Le fuit à gobelins là-dessus, il peut être très fort parce que s'il n'est pas défendu. Il peut faire super mal, il peut rester longtemps et faire super mal. Voilà, là il l'a beaucoup gratté, il aurait jamais gratté autant s'il y avait une tour. Salut Gauthier du 29, t'as combien de trophées? Là actuellement je suis à 5300 il me semble. Je te dis ça juste après la partie. Et bienvenue sur le live, installe-toi tranquillement, profite. Et voilà, bah voilà, les squelettes par exemple là, il serait mort avec la tour, bah là il gratte un max dans ce mode, donc c'est super fun en vrai, c'est vraiment cool. J'aime bien ce mode en vrai, il est cool. Et la victoire 3 couronnes du coup, qui passe. Les maîtrises. Du coup niveau, je suis à 5316 couronnes là, mais en vrai je pourrais être trophée, je pourrais être plus haut, mais je joue pas beaucoup tout seul en vrai. Ça c'est ma meilleure saison et sans avoir joué beaucoup, donc en vrai je pourrais déjà être plus haut, mais c'est juste que j'y joue vraiment pas beaucoup. Quand je joue c'est avec des potes ou quoi, je joue très peu tout seul. Dac, moi 7300. 7300, tu dois être dans le top. Dans le top FR, non? Je vais regarder. Sept mille trois cents. Ah ouais, t'es tout juste pas dans le top. T'es tout juste pas dans le top, ok. En tout cas, GG, hein, 7300, c'est pas mal. Hein. Franchement, GG. Ça a gratté du coup, c'est énorme. En une attaque j'ai presque pris tout le, ouais c'est énorme. Ah, il faut que je défende, sinon c'est moi qui vais prendre cher. I am back, cool, mais moi je joue depuis longtemps. Mais moi je joue depuis longtemps aussi, je joue depuis le début du jeu, mais mais je joue pas beaucoup en solo. Quand je joue avec des potes ou quoi, je joue très peu en solo et du coup forcément c'est plus vite. Ah là, je vais mourir, je vais perdre, j'ai plus d'élixir, c'est la merde. Dommage parce que j'avais super bien commencé là avec l'attaque au départ là, avec le ballon et tout, ça avait fait super mal, mais. Malheureusement c'est perdu là, dans tous les cas c'est perdu.
C'est perdu, c'est perdu. Bon, 65 pièces. C'est pas très grave. Deck suivant. Deck PK. C'est parti. J'espère qu'ils prennent les gardes en... Ah merde, là, je vais prendre trop cher là. Oh bah j'ai perdu. J'ai rien pour défendre l'aérien en plus, c'est horrible. Trop dur ce mode. Ah merci pour le follow. Sapiapi, bienvenue sur le live. Ah là c'était compliqué là. Ce mode. En vrai, le mode est compliqué. Hein. Tu dois vraiment gérer ton exir beaucoup plus qu'un mode normal, mais je trouve ça fun en vrai. J'aime bien. J'aime bien beaucoup plus que ça. J'aime bien. On va tester dernier deck. Oh non, je pensais que c'était bon, ça avait pris l'aggro. J'attends les barbares d'élite là, pour défendre. Les barbares d'élite, ça va mettre cher en vrai. Ok, ça va. Ah, j'ai pas de défense aérien là, je vais me faire poutrer. Avant c'était pareil, c'était la défense aérienne qui me manquait. Bah, là ça va être la même. Là ça va être la même. Ouais là c'est mort. Hein. Oh mais non, mais d'où? D'où il me tape alors qu'il avait pris le focus sur la tour? En vrai j'ai le seum. Ah, ce mode est compliqué avec mon premier deck là, c'était... Je l'ai géré parce que c'est le deck que je joue tout le temps, mais avec un deck comme ça, les decks que je maîtrise moins, ça devient compliqué. Cent mille. En vrai, je m'en rapproche, hein, je vais pouvoir bientôt les évoluer. 11, 10, 10. 11, 10. Ça, en vrai, j'hésite à claquer 15 000 là pour la bûche, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Parce que non, c'est pas la maîtrise que je voulais voir, c'était ça. Ouais. Je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Je vais attendre de voir un peu. Pour l'instant, je vais rester sur mon deck. J'ai fini mes combats. Si quelqu'un veut faire un combat en duo, n'hésitez pas à proposer. Là, en vrai, j'hésite à claquer 5 000 pour ça, mais. Allez hop. On améliore la bûche, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis là, en vrai, je vais... En vrai, je vais... Je pense que je vais couper le live.
Là-dessus, on a joué pas mal de temps. Là, ça fait 2 heures. C'est assez cool. Franchement, j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. Il y a eu quelques bugs, mais beaucoup moins que d'habitude. Juste les bugs que j'essaie de régler pour pas que ça quitte. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, on verra bien. Mais j'essaierai de régler ça par la suite. Donc voilà. En espérant que le live vous ait plu, moi je vais vous laisser là-dessus. Potentiellement un live demain, c'est pas certain, peut-être tout seul, peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on verra bien. Je vous préviendrai de toute façon, je préviens sur YouTube dans l'onglet communauté et sur Twitch, je le mets dans le programme. Donc n'hésitez pas à check. Sinon sur Discord que vous pouvez rejoindre aussi, tout est en dessous sur la chaîne sur ma chaîne Twitch. Il y a tout ce qu'il faut, Discord, YouTube, Insta, tous les réseaux, TikTok. Donc n'hésitez pas à les check, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, dans tous les cas, je fais un live à 20h jusqu'à 22h vendredi avec Luciane. Donc ça va être cool. Potentiellement samedi soir aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, si vous allez voir dans le programme sur Twitch, je mets tout à chaque fois. Et sur mon onglet communauté YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à aller check. Et voilà. J'espère que le live vous aura plu. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne nuit en fonction à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives. Ciao les amis.